Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est essentiel pour une chaîne YouTube. Je vais vous expliquer quels sont mes objectifs en ayant créé cette chaîne et je vais également vous expliquer à qui cette chaîne est adressée. C'est vraiment partie de là l'idée de la chaîne. Tous les clients qui viennent pour une même thématique à la base ont vraiment les mêmes questions. Si les mêmes questions reviennent par 5, 10, 15 personnes, eh bien c'est peut-être que 20, 50, je sais pas, 100 personnes auraient éventuellement les mêmes questions. Donc ici, c'est vraiment l'idée de voilà, du partage, de la collaboration, de la co-création. Le deuxième objectif que j'ai, c'est de m'inscrire dans cet univers de l'économie numérique digitale. Je pense que par cette chaîne YouTube, c'est vraiment une manière pour moi de digitaliser mes services. En fait, j'ai déjà donné des workshops à Bruxelles sur certains sujets. Donc ici, de passer en format vidéo, ben en fait, c'est continuer à faire ça parce que j'adore, mais le proposer de manière beaucoup plus accessible et plus facile. Et finalement, ben, l'objectif, c'est de rendre le droit facile à comprendre, pas trop, sans trop se prendre la tête, quoi, voilà. Il y a un jour, un prof à l'UNIF qui nous a dit « il faut faire un boulot sérieux sans trop se prendre au sérieux », ben, je pense que voilà, ici, c'est un peu ce que vous allez retrouver. Donc ça, c'est au niveau des objectifs et j'espère qu'on sera sur la même longueur d'onde. Alors, pourquoi s'abonner à la chaîne si tu es déjà concerné par le droit belge? Parce que si tu n'es pas concerné de près ou de loin par le droit belge, ça ne sert à rien, je ne vais rien t'apprendre et tu vas surtout peut-être t'embrouiller avec éventuellement un autre droit applicable dans ta situation. Donc ici, on est vraiment focus sur le droit belge. On ne parle pas d'autres droits. Si tu cherches des infos sur le divorce, je sais pas moi, les accidents de la route, je sais pas quoi d'autre, les litiges entre voisins. C'est vraiment pas mon truc. Donc moi, mon focus, ça va être vraiment le conseil aux startups, aux PME, aux indépendants. Donc on va parler de sujets comme le droit des sociétés, le droit commercial, la propriété intellectuelle. Il y aura parfois aussi des confrères qui viendront parler des thématiques vraiment plus spécifiques que moi je ne fais pas. En tout cas, focus sur l'entreprise. Donc si tu es entrepreneur, si tu es dirigeant d'une start-up, si tu es un freelance et que tu galères avec tout ce qui est juridique, là, ça va t'intéresser. Et là, je t'invite à t'abonner. Voilà, il y a le petit bouton juste en dessous. Je t'invite aussi à partager avec ton réseau d'amis entrepreneurs. Je suis sûre que ça pourra intéresser d'autres personnes aussi. J'espère qu'on fera un long bout de chemin ensemble sur cette chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt pour un contenu juridique. Ciao !